C'était tellement ma première fois que mes copines m'avaient fait boire un petit peu parce que vraiment j'avais la trouille. Résultat des courses, quand on est arrivé là-bas, bah, j'étais à moitié pétée. Et puis je me suis retrouvée sur une mule, tu vois, tout de suite, le premier jour, sur une mule, avec la montagne sur la gauche, le ravin sur la droite, sur une route d'environ. Jeudi soir, la nuit du meurtre. En quittant mon service, j'ai vu votre frère avec la fille qui a été tuée. Il était quelle heure quand vous les avez eus? Je finis mon service à 23h. Et pourquoi les gendarmes vous ont pas cru? La capitaine a dit que de nuit, de loin, j'ai sûrement mal interprété ce que j'ai vu. Pour vous, c'était pas le cas? Non. Sinon, je serais pas là à vous dire tout ça. Il est bien eu, hein, le père Darnay. Il doit être vert de rage. Tu doutes de rien, toi, hein? Je t'ai bien regardé. Il y a que des danseuses qui sont invitées. Pas les boniches. Je sais. Tu sais, je voulais te dire, avec Martin, on est effondré de ce qui est arrivé et on ne trouve pas les mots. Ça arrive dans ce cas-là. Voilà. Ça va? Oui. Excusez-moi, hein, j'étais partie fixer mes capteurs. J'avais complètement perdu Orion. Ah merde. Non, mais s'il n'y a pas de place, je ne vais pas vous embêter. Hein. Ah bah non, mais pas du tout. Vous restez. Vous restez, c'est un ordre. Hein. D'accord. Vous avez envie de moi? De quoi? De quoi vous avez envie? Monsieur a besoin d'une épilation intégrale du maillot. Quoi? Elle ferait bien surveiller son mari. Hein. Il y a l'américaine qui lui tourne autour et j'ai le sentiment que c'est pas pour lui déplaire. Tu crois vraiment que je t'ai pas vue? Te frotter contre Julien? Avec tes airs de sainte nitouche? Tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes. Il faut que je me fasse inviter à ces soirées, c'est le seul moyen que j'ai de retrouver Marie. C'est qu'elle nous ferait pleurer une larme en plus avec ça. Tu sais pas le pire? Ta putain de sœur, elle était comme toi. Une roulure. Une dinde venue de province, prête à tout pour réussir à Paris. Je t'interdis! Ah, tu m'interdis! Voyez-vous ça? Sinon quoi? Tu ne veux pas attendre un retour des gendarmes? Non, j'ai quitté la police pour ne plus avoir à attendre. Si y a un break noir dans le garage, c'est lui. Disons qu'il y a de fortes probabilités, mais... Oui, mais... Comment rentrer dans son garage? En plus, il a un chien. Ben, nous aussi. La nouvelle, elle pose des questions sur un crache-cœur. L'Amérique du Sud, tu connais un peu ou... Laurine, je te trouve super, vraiment. Mais faut que j'y aille en fait. Je suis vraiment désolée.